tous et bienvenue chez Yuki Création. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va impeccable. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 4 pour les ouvertures du calendrier de l'Avent en jour 3. Oui, je sais, c'est bizarre. Donc, aujourd'hui, on s'ouvrira également en supplément une des petites pochettes que j'ai eues de la part de Boti Success. Lorsque je filme, il est très exactement 9h et je suis debout depuis 1h, mais je suis encore fatiguée. Donc on va déjà découvrir ce qu'on a dans cette petite pochette, vu que à chaque fois c'est la surprise. On sait absolument pas à quoi s'attendre. Donc là on va avoir à nouveau des petits pochoirs à sourcils, voilà. Or, moi, je m'en servirai pas. Et on a également un petit gloss. Donc, j'en avais eu un sur les couleurs bordeaux. Et là, je l'ai un peu plus sur une teinte saumon. Du coup, on va se retrouver pour l'ouverture de la case numéro 3, qui, du coup, se trouve juste ici. Qu'est-ce qu'on va bien avoir aujourd'hui? Alors là, on va avoir un thé noir aromatisé, mélange mystérieux. Donc ce qu'il y a de dommage sur les sachets, c'est qu'on ne sait absolument pas en fait ce qu'il y a dedans. Mis à part aller sur le site d'Aman, je ne sais absolument pas ce qu'on peut y retrouver. Du coup, on se retrouve face au bureau pour pouvoir découvrir la case numéro 3 du calendrier de l'Avent Dragon Ball. Mais qui est là, du coup? Donc, est-ce qu'on va partir, j'allais dire, sur un crayon ou sur un stylo? Mais on part très clairement sur un crayon à papier. Il se présente comme ceci. Ensuite, on part sur la case numéro 3 des deux calendriers, du coup, Kinder, hop, qui se trouve juste ici. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Donc, du coup, ça va être un chocobon. Et du coup, je pense que ça va être exactement la même chose au second calendrier. Du coup, voilà ce qu'on a eu. Ensuite, on part sur le calendrier de l'Avent Boti Success. Donc ça, je le mets ici. Donc la case numéro 3 qui est, j'aimerais bien le savoir, qui est juste ici. J'ai un petit peu galéré à l'ouvrir, mais là, on part du coup sur un petit mascara. Voilà, à mettre dans le sac à main. C'est super sympa. Ensuite, l'ouverture de la case numéro 3 du calendrier de l'Avent Yaki Candle, qui du coup se trouve ici, je l'ai vu tout de suite. Et on se retrouve avec une nouvelle bougie. Donc là, on se retrouve avec une nouvelle bougie, qui par contre, chose que je n'avais absolument pas vue, on a le détail du calendrier de l'Avent juste derrière. Donc la première, c'était baiser glacé. Celle d'hier, c'était biscuit roulé à la menthe. Donc en soi, l'odeur, je l'avais reconnue. Et là, on se retrouve avec gâteau sucré. Donc ça sent plus le spéculoos, mais je ne suis pas très fan. Du coup, on se retrouve face caméra. Donc, je suis en train de regarder d'autres vlogmas de d'autres youtubeuses, évidemment. Donc, hier, j'ai voulu tester les blocs que j'avais achetés chez Action. Chose que je n'avais absolument pas remarqué, c'est qu'en fait, ce sont des cartes de vœux. Donc, en fait, on les a comme ceci. Donc on va avoir le modèle ici et puis après on a toutes ces pièces-là à détacher et à assembler. Donc du coup hier pour tester avant de faire une vidéo, je me suis dit que j'allais tester et en fait j'ai pris celle-ci. Je la trouvais super jolie et pour pouvoir la faire j'ai utilisé le scotch double face en 3D que j'ai acheté chez Action il y a quelques jours pour pouvoir donner un petit effet. Je ne sais pas si vous allez le voir. En soi j'en ai pas mis beaucoup. Mais en tout cas, pour moi, l'effet, il est là. Mais j'ai vraiment donné, en fait, cet aspect un petit peu 3D. Je ne sais pas si vous le voyez, par exemple, là. Mais en soi, je trouve ça super joli. Donc, je ne l'ai peut-être pas placé correctement. Mais en soi, j'ai bien kiffé faire ça. Donc, pourquoi pas inclure, si le temps me le permet,
dans les ouvertures et dans les blocs-masse. Sinon, je ferai des vidéos totalement à part parce qu'il y en a plusieurs, surtout dans ce bloc-là, que j'ai envie de faire. Et pourquoi pas, du coup, les faire avec vous en vidéo ou alors tout simplement en live. Je voulais également vous montrer la bougie, du coup, qui m'avait été offerte. Elle a déjà bien... Elle a déjà bien fondu. Mais en soi, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, on a du coup le petit, le petit morceau de papier alu en fait qui commence à apparaître. Donc, ça veut dire que le bijou ne va pas tarder. Sur ce, je vais terminer le vlogmas là, vu que je dois absolument partir. Donc, j'espère en soi que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le vlogmas numéro 5.